Bonjour et bienvenue pour cet exercice sur la visualisation du jardin. Je vais vous expliquer en détail. Il faut savoir que cette visualisation va vous guider sans risque dans l'inconscient pour chercher les conseils de votre moi profond, omniscient. Donc vous pouvez aussi utiliser pour vous détendre ou apaiser le stress. Donc on y va, c'est parti. N'hésite surtout pas à partager cette visualisation, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir chaque jour à partir de 18h les nouvelles vidéos. Allez, on y va pour cet exercice sur le jardin. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et à chaque expiration, dites-vous: je suis calme et concentré. Recommencez jusqu'à ce que vous vous sentiez profondément détendu. Je suis calme et concentré. Je suis calme et concentré. Restez silencieux et immobile et imaginez-vous dans un grand manoir, assis près d'une fenêtre ouverte. Du jardin montent des chants d'oiseaux. C'est le plein été. Et vous entendez aussi le bourdonnement des abeilles. Le parfum des pois de senteur qui poussent sous la fenêtre est entêtant. Vous avez envie de sortir, de vous allonger à l'ombre des arbres et de respirer l'air doux, chaud et parfumé. Vous poussez les portes qui ouvrent sur un balcon, surplombant le jardin. Les rayons du soleil semblent imprégner votre peau et revigorer chacune de vos cellules. Un escalier de 10 marches mène à la pelouse. Vous le descendez lentement en vous disant: 10, relax. 9, relax. 8, calme et concentré. 7, relaxation. 6, descendre. 5, plus bas. 4, descendre. 3, encore plus bas. 2, plus bas. 1, paix. Vous traversez la pelouse, libre comme jamais. 10 autres marches conduisent à un jardin en contrebas. Descendez-les en vous disant: 10, en bas. 9, en bas. 8, plus bas. 7, plus bas. 6, je laisse mes peurs. 5, je ne crains rien et je suis en sûreté. 4, je ne crains rien. 3, et je suis en sécurité. 2, je ne crains rien. 1, je ne crains rien. Au milieu du jardin du bas se trouve une fontaine. Vous écoutez le bruit de l'eau et vous êtes
fasciné par les reflets étincelants du soleil à la surface. La lumière devient plus intense, mais vous ne pouvez pas vous éloigner. Bientôt, une silhouette surgit de la lumière et se tient devant vous. C'est votre guide antérieur. Son visage est rayonnant d'amour, de compréhension et de compassion. Il vient répondre à vos questions et vous conseiller. Posez vos questions et écoutez les réponses. Vous entendrez peut-être une douce voix intérieure ou bien vous verrez un symbole qui représente ce dont vous avez besoin. Si rien ne se passe, soyez patient. Vous trouverez peut-être la réponse dans vos rêves. Quand vous serez prêt, comptez lentement de 10 à 1. Ouvrez les yeux et retournez à votre conscience de veille. J'espère que cette visualisation qui permet de chercher les conseils de son moi profond t'a permis de t'apaiser, de te détendre et de travailler sur toi-même. Si tu as aimé cette visualisation, n'hésite surtout pas à la partager à un maximum de personnes autour de toi qui ont besoin de travailler aussi sur eux-mêmes. Et bien sûr, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouveaux exercices, les nouvelles guidances. Voilà, j'espère que cette vidéo te fera plaisir. En tout cas, moi je te retrouve de l'autre côté. N'hésite surtout pas à venir me consulter. Et vu que tu es resté jusqu'à la fin, clique en dessous dans la barre de description. Je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est cadeau, voilà. Bien sûr, si tu veux te l'offrir, il y a un lien où tu pourras cliquer dessus. Si tu veux me soutenir pour faire un don ou voir tous les services que je te propose, clique sur le lien Tipeee. Je te remercie de ton abonnement, de ton partage et de ton soutien. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette visualisation. Et comme tu le sais, le plus important, c'est que tu passes, toi, à l'action. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu testes cette visualisation et que tu me dises en commentaire ton propre ressenti. J'attends tes commentaires avec grande impatience et je te dis à très très vite.